petit peu. Alors attends, je vais peut-être rapprocher un petit peu le micro. On s'en fout s'il est un petit peu dans le champ de vision de toute façon. On se retrouve juste pour une petite vidéo. Alors pour le coup c'est un petit truc que j'ai juste de voir que Pilot avait fait, un petit tips sur Rengar, du coup comme le titre de la vidéo va le décrire. Et il vient de le faire et je vous avoue que je me suis dit que j'allais vous le partager au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et donc en fait le petit tips. Après voilà, faut vraiment savoir jouer Rengar je dirais, mais en fait, en gros, tu Q-spell de ce côté et en fait tu vas sauter. Alors, je l'ai jamais testé avant, donc voilà. Tu vois, en fait, genre, si tu Q-spell en étant juste à la sortie du bush et que tu jumps sur le raid, tu peux tu peux lui jump dessus en fait, tout simplement. Donc voilà, genre vraiment bien faire attention parce que si tu sors juste avant, tu pourras pas, tu vois. Genre là, je suis sorti juste avant, j'ai pas pu. Genre, faut, en gros, bon après, faut que ce soit fluide, tu vois, mais le truc, c'est que c'est pas fluide avec moi. Mais en gros, le but, c'est vraiment d'être dans le bush, en fait. Et de balancer son Q-spell et de jump directement sur le red buff. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que t'as compris. En gros, t'es dans le bush avec le passif, tu peux sauter de loin. Et si tu le fais directement, genre, tu vois bien qu'on peut pas le faire, là, tu vois. Genre, juste en cliquant. Oh, wait, what the fuck? Bah, en fait, il est con, Pinot. What the fuck? Wait, what the hell? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Peace. Just try the tips on Rengar. When you don't even need to kill, to jump on it. Wow, 이 친구 너무 많이 했는데? 이 친구는 내 철권을?